Et bonjour à tous, bienvenue dans ce 271e épisode de notre Let's Play Stationeers de saison 5 sur Vulcain. Aujourd'hui on fait quelques petits ajustements pour que tout marche tout le temps. Allez c'est parti. Ok, là on a 570. Bon. Tu n'es pas ouvert. Là, on a 514. Tu n'es pas ouvert. Normalement, tu devrais pas avoir 514, hein, mais malheureusement, tu les as eus. Lui, quand il va tomber sous 550, il va commencer à se faire re-remplir. Ah non, lui, il prend à 550. Lui, il transfère si lui est inférieur à 550. Transfère si ça... Oh, je sais plus. Je sais plus. Lui c'est 410. Pour ouvrir là-bas. Celui-là il s'ouvre à 450. Celui-là il doit s'ouvrir à 500. Celui-là il s'ouvre à 410. Celui-là il s'ouvre à 450. Ça doit être 500 ou 550. Du coup, on a un peu réchauffé la flotte, mais on a récupéré pas mal. Donc ça va venir, c'est qu'une affaire de temps.
Faut être patient. Là, on a 156 mol plus 39, 155, 195 mol. Donc, ça fait même encore un petit peu là. En une nuit, ça va nous le sortir. Ah non, on est quand même proche du matin. C'est sûr qu'on l'atteigne en une nuit. Pourquoi lui irradie pas? Lui irradie énormément. Mais lui irradie pas du tout. Là, on a 756 mol qui attendent, 277 degrés, 550 Kelvin. Ça va être le matin et ça n'aura pas encore... On n'aura pas encore eu la température. Il manque 45 Kelvin. Après, on partait de beaucoup plus haut. Mais on n'avait pas grand-chose dedans. Je pense que lui, il vaut mieux ne pas avoir grand-chose dedans. Je pense qu'on pourrait plutôt faire 1, 5, 10. Ça serait pas gênant. Porte, ne te trompe pas. Ouais, t'avais déjà 5.
là. Reste là. On va un peu augmenter la pression dans le combusteur. Pression permise dans le combusteur, je veux dire. Ah yes. Et du coup, ça peut tourner en plein jour sans problème. Ça va produire plus vite. Encore plus vite. Toujours plus vite. Ouais, 26,5, ça va. Ma bêtise n'a pas été dramatique. Est-ce que à côté, nos chers amis... Ça pousse tranquillement. Est-ce qu'il faudrait pas que je les remplace par des tomates pour que ça tourne en perpétuel plus facilement? Peut-être. Là, qu'est-ce qu'on a? Les tomates. Pousse lentement. Le soja. Je vais à côté du soja. Le blé. Récolter du blé. On attend qu'il germe, enfin qu'il monte en graines. Alors, je sais plus si c'est indiqué pour les plantes. La durée de croissance nominale. Ah, j'arrête pas de faire chapeau et de faire F1.
si je pouvais me passer du replantage des Harvey et avoir juste les tomates, ça serait cool. Par exemple. Ou le soja, si le soja fait comme les tomates. On va voir ça. On va voir. Bon, pour l'instant, il y a le riz qui pousse. C'est déjà pas mal. C'est un bon début. Du coup, tu es un... Et toi, t'es limité par la quantité que t'arrives à choper la nuit, quoi. Carrément. Bon bah, tu t'es resetté, hein, comme d'habitude. Au moins, on en mettra trois fois plus là-dedans. Je disais pourquoi j'ai mis un daylight sensor, oui, pour l'orientation. Du coup, toi, vous avez tourné toute la journée. Vous êtes ouvert plutôt que d'habitude qu'avant. Et là, vous aussi vous vous ouvrez. Génial. Génial. Parfait. Là-dedans, est-ce que tout va bien? La combinaison dit que oui. Bon, on a un tout petit peu de X de quand j'ai peint, mais... C'est pas grave, à force, il finira par disparaître. Il arrivera sur des concentrations suffisamment faibles. La température, on est bien... Le pipe de froid n'a pas bougé. Donc on produit assez de froid. Pour un gros bâtiment non isolé comme ça, c'est bien. C'est franchement appréciable. Oups. Il y a eu comme un petit raté là, messieurs, dames.
capacités montées à combien? Quelques mégapascales quand même, hein. C'est bien, le X, il se... Il se charge d'évacuer de la chaleur. Hop, toi. Tant qu'on est là. Voilà. Tant qu'on est là. Non pas que ce soit nécessaire, mais... Voilà. Je consomme beaucoup moins d'oxygène et je vide beaucoup moins souvent mon waste hein, depuis que l'oxygène est à température ambiante. Équilibrage de température léger. T'es idle? Ah oui, y a pas assez de X pour que tu la vires. Ah oui. Pas assez de volatile non plus pour que tu le pompes. Ah, j'ai demandé 5 mégapascales, je pense. Tout simplement. Tout simplement. Bon. Oui, je sais. Pas grave. Ça, ça marche. C'est fini. C'est beau, c'est propre. Et là, on profite pour se jeter dans le vide. Il y a un nouveau ici. Ah, si, ça pousse. Les tomates ont grandi. Non, c'était dans ma tête. Toujours 3 soja. Toujours 3 blés. Le riz est toujours en train de grandir. Ouais. Oui, je sais. Ça va pousser en prenant son temps. La moitié de la nuit et... C'est moi ou ça s'est re-rempli? Oui, ça s'est re-rempli. Lui a dû baisser en température suffisamment. Il
s'est fait remplir à nouveau. Là, on a 40 mégapascals sur 3 tuyaux. Là, on a 110 kmol d'oxygène et ça ne bouge pas. Ça a plutôt même tendance à augmenter au fur et à mesure que ça filtre. Il y a 600 mol, 1200 mol, 1500 mol, 1200 plus 600, 1800, 2100 mol. mol à peu près, qui sont produites, qui sont en train de refroidir. Qui vont passer parmi les étages. Jusqu'à aller se faire refroidir. Et on devrait être... On devrait être correct. Voilà. Mais bon, je pense qu'on en a assez fait pour aujourd'hui. Du coup, déjà, merci à tous d'être passés pour voir ça. Ça fait toujours plaisir de vous avoir. Merci sur YouTube de continuer de faire plein de petites vues, de mettre des petits commentaires, des petits pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Nous, on va se retrouver demain soir sur Twitch pour... la suite de notre nouveau Let's Play Icarus en coop sur Styx avec Capo et Krios. Et puis, on va essayer de progresser là-bas. Ensuite, samedi soir, il n'y aura pas de coop exceptionnellement. Dimanche, peut-être que je reviendrai avec Stationers. On verra, ça dépendra de la fatigue du week-end. Donc encore une fois, merci à tous d'être passés. Je vous dis à demain et d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao.